en ce moment, ouais, j'ai la chance de gagner tous mes combats. Ça n'a pas été toujours le cas. J'ai eu des débuts compliqués. J'ai été motivé, mais pas préparé. Ce qui m'a fait prendre pas mal de défaites. Avec le temps, il a fallu que je change ma manière de faire. Je me sentais trop gentil sur le ring, dans la cage, trop gentil. Il fallait que j'aie ce déclic de rentrer dans un personnage et de faire peur, de devenir très méchant. Très, très méchant. De base, je suis un bagarreur, j'adore la bagarre. J'ai dû basculer en K1, pied-point. Sans combat pour 13 défaites. Et de là, j'ai commencé le MMA. Il y a 4 ans, j'étais à fond dans les combats. Je combattais 7 fois par année. Et par la suite, je suis allé au Cameroun en vacances. Et là, j'ai fait un accident. Du coup, j'ai ouvert presque la moitié de mon crâne. J'ai dû me faire opérer. J'ai dû stopper net ma carrière parce que je ne pouvais plus combattre. Et c'était un coup dur. Le MMA, c'est beaucoup de guerre psychologique. Mes adversaires, avant d'accepter le combat, ils font d'abord checker le Sherdog. Le Sherdog n'est pas terrible, je reste en négatif. Mais une fois qu'ils rentrent dans les détails, qu'ils vont cliquer YouTube, etc., ils voient les enchaînements de KO, tout ça et ça, psychologiquement, ça touche. Alors c'est soit ils rappellent l'organisation pour annuler, soit ils acceptent et je ferai tout pour qu'ils soient dans les prochains highlights. Justement, pendant mon dernier combat, une fois que l'arbitre a donné le go, il n'y avait plus personne en face. Il n'y avait plus personne. Mon adversaire était tétanisé, sans que j'aie fait quoi que ce soit. Est-ce que j'ai l'impression que je fais peur? Ouais, quand même. D'être seul, de ne pas pouvoir s'entraîner, d'être délaissé. Ça m'a mis vraiment dans une spirale infernale. Donc j'étais en prison mentale, quoi. J'étais limite emprisonné. Non, j'avais plus l'impression de devenir fou en fait. Mentalement parlant, c'est compliqué à encaisser, quoi. Toute cette période sans combattre, ça a fait naître une rage en moi. Maintenant, je l'ai laissé exploser cette rage. Je reviens pour tout casser. Il faut que le mec qui rentre dans la cage en face, il soit conscient que je suis là pour le découper. Il n'y a rien d'autre. Jouer le Kudja, il peut être un psychopathe ou pas, ça m'importe peu. C'est plutôt jouer le coup de jack et d'avoir peur de quelqu'un qui a survécu à la mort. C'est vrai qu'il faut se méfier de quelqu'un qui a peur de rien, mais je préfère avoir quelqu'un qui a peur de rien en face. Une fois que j'aurai rentré mon bras arrière, tout va s'éteindre.